jusqu'à quel âge peut-on apprendre à plonger? Bah écoutez, on peut apprendre à plonger très tardivement. J'ai déjà formé des gens après 75 ans à la plongée. Aujourd'hui, j'ai une jeune fille de 50 ans. Alors, Béatrice... Comment ça? Tu n'as pas plus quand même. Béatrice, peux-tu nous faire part de tes expériences d'apprentissage de la plongée? Eh bien, top, on peut pas dire. Mais ceci dit, je reviens de l'eau. Il a juste fallu que je me déshabitue à respirer par le nez, ça faisait juste 50 ans que j'étais un peu habituée. Et puis là, bah, tout va bien maintenant. Ok, je crois que tu as eu des moments un peu difficiles à surmonter. Est-ce que tu prends malgré tout plaisir à te réimmerger? Ah oui, oui, une fois que je suis dedans, c'est bon. Voilà. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus observer sous l'eau? Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans tes moments de plongée? Les bancs de poissons. Le poulpe. Les poissons. Ok, alors si comme Béatrice, vous voulez apprendre à plonger, écoutez, il n'y a aucun souci, hein, même à partir de 50 ans, mais même à partir de 70 ans, on peut apprendre à plonger. Après, bien sûr, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, hein, choisir une formation qui va à votre rythme. Donc, plus vous avancez en âge, moins vous êtes sportif, prenez plus... Et je vous invite à choisir une formation un peu plus longue, un peu plus adaptée pour votre progression. Si vous voulez voir aborder d'autres termes dans nos vidéos, n'hésitez pas à vous commenter ici sur YouTube, sur Facebook, envoyer un mail, passer un coup de fil. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. A bientôt.